C'est un joujou à 80 000 euros, un laser scanner unique en France qui permet de modéliser une scène de crime en trois dimensions, de la figer dans ses moindres détails. Par exemple, l'écran que je suis en train de vous montrer, c'est celui sur lequel je suis en train de faire la démonstration. Et sur la gauche, l'écran qui se situe au fond de la pièce de l'autre côté, qu'on peut voir en naviguant à l'intérieur, en changeant les perspectives et les différents points de vue. Un outil précieux pour les enquêteurs qui permet de faire des mesures très précises sans se déplacer sur le terrain, d'étudier la position des taches de sang ou la trajectoire d'une balle, de résoudre certains casse-têtes comme une affaire récente, une fusillade où il y a eu 2 tirs, mais 3 morts. Une hypothèse a été formulée concernant en fait un ricochet sur la façade de la maison que vous voyez au fond. Vous voyez ici que la première personne est traversée et que l'hypothèse d'un ricochet venant ensuite tuer la troisième personne est tout à fait plausible. Le laser scanner capture entre 20 et 30 scènes de crime en 3D par an. Certaines sont utilisées lors des procès d'assises.